Et salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Total War Saga Troy. On stream sur notre Total... campagne avec Monsieur Ajax de Salamine pour essayer de aller chercher cette foutue victoire Total War suite à ce qui s'était passé il y a quelques sessions déjà. En principe on aurait dû faire la victoire homérique, mais là on va devoir passer sur la victoire Total War qui est une victoire longue et un peu chiante, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on fera avec. Donc voilà, donc on est reparti avec Ajax. Donc on s'était quitté la dernière fois pour une bataille épique entre deux armées, donc Hippomène, l'un de nos généraux, qui va devoir affronter Aenys, une armée full. Donc on a une garnison quand même, on a des marins Salamine qui sont quand même bien équipés. On a toujours une foutue pénalité au moral, mais bon, ça c'est comme ça, c'est l'IA qui veut ça, on va dire. Ouh, ils sont dangereux, les combattants sous serment de Dardanie, attention eux. En revanche, ils se défendent mal, c'est bon à savoir. Après on a pas mal de tireurs, donc ce qu'on va essayer de faire c'est dégommer les unités d'harpies, harpies monstrueuses et les chars. Et après le reste je pense que si on joue bien notre coup avec nos javelots, on pourra faire très mal. Donc ensuite il faudra aussi voir le combat contre Aenys qui est... Ouf, ah oui. Ah il est monté, d'accord monsieur sur un char, ok. Donc attention à ça. Donc on va regarder un peu la map déjà. Ouais ça va être chaud. Bon on va faire le maximum et on verra quoi. Allez, salut à tous, salut YouTube, on est parti pour une nouvelle défense de ville à Taurikos en Attique contre l'armée de Dardanie menée par Aenys en personne qui rend 16. Ouf. Ah oui. Bon, c'est parti, allez. Salut Moumon, comment tu vas? On est à Taurikos. J'espère que tu vas bien, comment tu vas l'ami? Bienvenue, bienvenue monsieur le modo. Donc là, on va essayer de faire... Je sais pas si on va la gagner, mais on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Alors, on a du lancier, on a deux lanciers de chaque côté. Enfin non, ouh, on a quatre lanciers en tout. Et on a une partie de notre armée qui... Alors, on va mettre les lances là. Bon, on a pas mal d'unités en défense, donc je vais garder aussi mes munitions de réserve pour l'infanterie de marine salaminienne, comme ça, s'il y a des soucis, on saura quoi faire. On a nos deux héros, Hippomène et Lycos, qui sont en garnison. Donc voilà. Ah, t'es en convention Star Wars, ça s'est bien passé? Donc voilà. Donc on va essayer de taper les unités ennemies. Donc il y a beaucoup 4 unités d'harpie. Donc si on arrive à vite les dégommer au tir, on pourrait se mettre bien en vrai. Les lanciers, on va tenter de faire en sorte de tenir les chars. J'ai vu qu'il y avait des chars et des... Et les harpies, je sais pas. Aenys, je crois qu'il est sur char. Donc c'est... Ce qui est plutôt pas un avantage pour nous, puisqu'on pourrait peut-être se focaliser sur lui. Voilà. Oh, ça va tirer. Visez les harpies. Merci du follow, bienvenue. Toi, viens là. Ah, ils se mettent tous sur les tireurs. Ah, bah, c'est bien, venez. Il reste encore des harpies monstrueuses, attention. Oh là ça commence à craquer, ça pue ça. Bon déjà les harpies sont en train de craquer, c'est cool. Voilà, donc là pour le moment on essaie de tenir la ligne comme on peut. Oh les harpies monstrueuses elles sont pas contentes en fait. Elles font très mal. Là, nos lanciers vont essayer de tenir. En arrière, je vais mettre une unité ici. Bon, c'est bien. C'est quoi ça qu'il faut faire? Allez.
Bon, c'est bien, les harpies sont en train de se faire repousser ici, ça tient pour le moment. Je vais dire aux archers et aux javelots de se focaliser sur Aîné. Si on arrive à battre Aîné, on pourrait se mettre bien. Donc les harpies là ne reviendront pas, il y a quelques harpies qui vont revenir. Donc déjà les harpies c'est géré. Vos guerriers se découragent. Où ça? Là ça doit ça craque là, attention. Voilà, attention ici. Ah, il veut pas craquer Aîné, hein. Bon là bah, pour le moment ça a l'air de tenir. Pour combien de temps j'en sais rien. Il me reste une unité de marin ici, on va aller chercher ces harpies là. Aîné, tu vas y aller là. Et on va utiliser ça aussi. Votre héros se fait attaquer. Donc là les chars c'est bien, sont en train de tomber, on essaie de tanker. Salut Squash Bells, comment tu vas? Ouais je pense aussi, Maman, est-ce que tu pourrais regarder s'il te plaît? Je pense savoir, il y a eu des rumeurs sur ça justement, tu sais. Donc parlons, on a l'air de tenir. Aîné il est en train de prendre sa sauce. À droite ça tient pour le moment. Allez, on continue, c'est bien. Attention, évitons de trop pousser aussi, on sait jamais. Et dans le doute, je vais mettre une infanterie de marine salaminienne ici. Il s'est encore régénéré, Aîné, mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Archer, visé là. Ah, pas dans le groupe. Bon, c'est bien. On va continuer de viser. Pousse là, vous poussez là, vous poussez comme ça. Il faut faire une poussée là sur le côté, on peut le faire. Ouh, ça va être compliqué contre lui. On pousse sur l'escarmouche. Ouais, en ce moment ça arrête pas. Je sais pas ce qu'il y a, mais ce qu'ils ont, ce qu'il y a de monde, mais on peut dire qu'il part en couille sans mauvais jeu de mots. Aristi, on va l'activer sur lui pour essayer de buter Aîné. Il va se régénérer, donc là ça devrait aller. Notre ennemi est fatigué, donc ça c'est bien. Je vais dire ici à mes gars visés. Et si là je vois que ça commence à flancher, j'enverrai cette unité en supplément pour venir aider contre les troupes. Mais bon, là Aîné il est en train de prendre le tarif, ça fait plaisir. Oh, allons-nous arriver à faire un encerclement sur les côtés? Allez, allez. Ouais, c'est bien. Regardez-moi la belle masse là. J'essaie de faire tourner une unité complètement et tenter d'encercler ici. Avec le support. Mais bon, là Aîné il a réactivé une de ses capacités. Oh, Aîné il est sur le point de tomber face à Hippomène. Le héros ennemi a été blessé. Bien. Là ça y est, le moral va commencer à flancher de partout. Ça va être une débandade à gauche. À droite ça va peut-être mettre du temps. Ah, ça craque, regardez. Ouais, bien joué. Bon ça va, on n'a pas pris tant de dégâts que ça. Victoire est à portée de main. Et là on va essayer de faire le plus de poursuivants. Enfin le plus de kills pendant la poursuite. Donc là j'envoie mes troupes légères. J'ai pas envie que l'armée de Aîné se reforme, vous voyez. A mon avis, il y aura quoi qui va survivre? Les harpies, un truc comme ça, je pense. Voilà. Bon, sur le papier, c'était pas gagné, hein. Donc là, oh, nos gars à la massue en garnison fait le boulot. Tu peux pas aller les chercher, tu vas me dire. Quoi? Ah, quand même.
Les frondeurs là, ils sont en train de cartonner, ils sont en train de courir vite. C'est pour ça qu'en fait, j'aime bien avec les frondeurs essayer de faire des petits trucs. Là. Ouais, c'est une belle victoire là. Ça fait plaisir qu'on traînait en plus. C'est une victoire de prestige pour notre nouveau général. Enfin, pour ce général Hippomène. Oh, bah tu vas en choper d'autres, toi. Oh là là, le carnage, les kills qui s'enchaînent ici, c'est beau. Oh là, il y aura plus beaucoup de troupes qui vont... Il y aura moins d'unités, c'est bien. Beau travail. Ouf, oh, les jolis tirs de javelot, là. Allez, encerclement ici. Voilà, essayez d'en tuer le plus possible. Non, vous voulez pas, vous avez pas envie. Au moins, ça, c'est fait. Mais je comprends pas qu'il y ait mis une surcharge. Je trouve que là, c'est gaspiller le potentiel d'Enya. Après, c'est mon point de vue. Voilà, hop. Deux amateurs. Ah, motivation moins 2, j'ai pas compris. Bon, on va vérifier ça. Je vais prendre le 5% en constitution. Qu'est-ce qu'il reste dans l'armée d'Aigné là? Il reste quelques troupes de Dardanie, il reste beaucoup de javelots, ouais. Alors, c'est qui le prochain? Ah, Hippolyte, elle retourne vers Sparte. Elle en a envie, hein, elle a faim. Elle a faim. Ça serait cool d'essayer de se faire Hippolyte avec Ajax. Mais bon, Ajax, je rappelle qu'il est loin dans le nord avec Cerbère. Et à un moment, ils vont devoir redescendre. Et surtout, là, notre Hippomène va accumuler, va avoir le traité de paix de. Le bonus d'avoir vaincu Aîné qui donne comme 10% de constitution à l'armée. Ce qui est toujours intéressant. Alors, parmi vous, les amis, ceux qui sont présents. En plus, j'ai mis. Ouais, j'ai vu Moment, c'était vraiment sympa. Donc. Pas de la ton affiche, j'ai bien aimé, je l'ai aperçu. Alors. Bon, toi. Lui, je vais vite le zigouiller en fait, c'est juste pour éviter qu'il reforme une armée. Parce qu'il va mourir. Il est tombé, on va aller vite chercher Larissa. Alors, je vais regarder un petit peu la volonté divine. Avec Héphaïstos, on est toujours à 640, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je vais faire une prière à Aphrodite pour nous donner leur public et tout. 22e édition. Ah oui. Ça déconne zéro. I'll win. J'ai embarqué ce frondeur là avec nous, c'est le frondeur de renom. Oh, il y a Hector qui arrive derrière. Ah, oh. Ah oui, Hector, il se fait plaisir, le petit. Hein. Alors, t'as eu le bonus ou pas? T'as pas eu le bonus? Donc ça veut dire que... Alors, attends. Si je comprends bien, nos héros de base ne peuvent pas avoir les bonus, c'est ça que t'es en train de me faire comprendre? Bon allez, on va détruire cette armée vite fait. Voilà. Donc notez que par rapport à un Warhammer, les héros random... Alors, je sais pas pour ceux qui... Mais il me semble que sur Warhammer, tu peux avoir les bonus. Hein. Bon. Il est rang 5, notre ami, on veut lui mettre quoi? Allez, 15 d'armure sur lui, c'est toujours utile. Il a 75 d'armure, il va monter à 90, ce sera toujours bien. Donc là, on a l'autre armée qui garde Egine, on sait jamais, contre une attaque de ces gus-là. Dans 3 tours, on est à quel décret? J'essaie de me remémorer un peu, parce que hier, je voulais streamer, mais j'étais un peu fatigué. Enfin, ah oui, on devait partir sur ça, là. Comme ça, on fait 1000 de pierre tout de suite, et on aura la faveur de tous les dieux, plus 2. C'est toujours utile. Donc Hector va débarquer. Alors on va voir un petit peu au niveau diplomatie. Ou que font, qui fait quoi? Alors toi tu peux pas, tu peux taper lui, Sparte. Lui il est loin.
Sparte, est-ce que tu vas arriver? Oh, ils ont plus beaucoup de colonies, Sparte. Ils sont en train de se faire dépouiller, je sais pas ce qu'ils foutent. Ah, Hippolyte, ça va. J'essaie de proposer une paix à certains. Tout est qui, toi? Ah, t'es l'autre de la crête, là, qui me casse les couilles pour rien. Ajax is cut out for driving bargains. T'es sérieux? T'as plus qu'un de bouffe, MDR? Le mec n'a plus qu'un de bouffe, quoi. C'est drôle, ça. Je vais lui demander de 500 de bronze aussi. 1000 de bronze. 1500. 1400. 1350. 1380. Bon, 1378 de bronze, 1000 de bois pour une paix, je dis oui. Pour le moment, c'est pas eux mes cibles prioritaires. Il y a aussi les cariens que je devrais aller chercher aussi, mais c'est le bordel là-bas. Alors, vous étonnez pas si vous voyez une ellipse hein, pendant plus de streams. Je vais essayer d'en faire une pour avancer un peu. Je pense que vous comprendrez pour Victor Total War. Parce que aller chercher. Alors, c'était 100 colonies. Hein. Sachant que j'en ai que 28, donc ça va être un petit peu de temps. Il va me falloir la crête aussi, donc il va falloir que je cherche 10 villes en crête, donc ça va monter. Après, pourquoi pas se faire des petits passages de point en point et de conquérir. Et après, bien sûr, il faudra aller chercher 3. Hein. Et il va nous falloir plusieurs armées, surtout. Bon, plus de bouffe ici, c'est bien. Hero material. Pour avoir des âmes en plus ici, tu me diras. J'ai combien d'unités de DTA dans l'armée d'Ajax déjà? J'en ai 8. Hein. 8. Et on a le Cerbère aussi. Et on a vu, pour ceux qui se rappellent, c'est que si j'arrive au niveau maximal, ce que je vais essayer de faire en sorte, c'est de prendre ça. Bénédiction de l'immatériel. Ça va activer la reconstitution des unités de Cerbère, donc tout ce qui est éthéré, tant que Cerbère est dans l'armée. Dans l'armée d'Ajax, ce ne sera pas un superflu, vous voyez. Hop, on en a perdu juste un, ça va. Hop, 6. Est-ce que je partirai pas sur des géants? Je vais partir sur deux géants, allez. Juste pour renforcer cette armée. Et Jin devrait tenir, je pense, avec ce que je ramène. Lui, on est en paix. Il y aura juste Hector qui va nous menacer. Il faudra essayer d'aller chercher Charistos avec Hippomène. Ça pourrait être un plan de jeu. Ah, il en faut vu. Il en faut vu que Hector Omer t'a niché. Ouais, alors je sais pas. Je pense que j'ai dû faire un truc avec De Croce qui n'allait pas, je sais pas. Et là, par contre, à mon avis, l'IA, j'espère qu'elle va sortir. J'aimerais tellement qu'elle sorte, les mecs, pour aller me la faire. De toute façon, là, les pélages, c'est leur dernière ville. Si je rase Larissa, c'est terminé. On sera tranquille dans le nord, je pourrais redescendre Ajax vers le sud, tranquille. Et j'essaie de défier des parangons si j'en trouve dans le coin. Qu'est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Il y en a un, il tag justement, ça pourrait être marrant d'aller chercher. Oh, il a une armée complète, lui, ok. On va essayer de trouver d'autres parangons. Est-ce qu'il y en a ici? J'en ai pas vu. Je rappelle qu'Ajax, c'est quand même 66 points de pour le truc de parangon. Hein. Oh, il y en a encore beaucoup. Mais Sen, c'est où? Ah ouais, c'est loin aussi. Alors, on a de la pierre. Oh, ah oui, il faut réparer ici, effectivement. Déjà, on va réparer tout ce qu'il faut. On va tout réparer au fur et à mesure. Hein. On va pas s'embêter. On fait aussi de l'extraction minière. Donc, c'est pour ça qu'à Torikos, il faut la conserver. Sinon, ça, on va pas y arriver. Donc, on a un petit peu d'or par-ci, par-là. C'est cool, mais ça va vite monter, croyez-moi. Alors, l'agent n'a pas été déplacé. Momonus. Méropé. Allez, 20 faveurs en plus pour Héphaïstos. Vas-y Hector, je t'attends.
Ah, il est motivé. Ah oui, il a des unités de cochon, effectivement. Ah, il a des champions de 3, ouais. Bon, bah après, on va se faire Sirector. Essayez de se faire Sirector, parce que là, il a l'air assez vénère, le monsieur. Bon, déjà, ce qu'on va faire... Je vais refaire la même tactique ici. On a notre combattant hippomène ici et notre archer là. Par contre, ce qui va être chiant, c'est les prêtres. On va essayer de les sniper, mais ça va être chaud. Il y a deux prêtres de l'île, ça peut être dangereux. Ok, c'est le poison là. Le javelot là. Est-ce que tu peux me viser ça, s'il te plaît? On va essayer de dire au javelot de viser Hector. L'archer, est-ce que tu peux me viser ce prêtre là? L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Ok, on va aller l'encercler. Vos guerriers se découragent. Ah putain. Ok, ça, il va falloir du renfort ici. Faut vite venir en contre-support là, ça va être chaud sinon. Bon là les archers ne tiennent donc pas logiquement, mais le poison m'est cher. Hein. Ah il a du... Oh attention ici, des champions de 3 ça peut être chiant. Ah toi. Vos guerriers ont été mis en déroute. Par contre les prêtres, pff, rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste qui attaque pas encore? On a encore des unités en réserve. Hein. Donc, l'Hector, il est en train de prendre tarif, mais bon. Oh putain, il recommence, ce foutu prêtre. Si Hector. Oh, non, pas l'archer. Mais t'es pas fou, toi? Oh là là, les prêtres de l'île. Dès qu'il y en a un, c'est chiant, mais alors deux, c'est encore pire. J'ai tenté un contournement, mais bon. Vas-y, passe là, toi. Là, il faut tenter un flanking, sinon... Allez, moins 15 de morale encore. Alors, attendez. Là, il faudrait essayer de zigouiller celui-là. Vos guerriers se rallient. Faut essayer de faire le tour par là.
Putain, les champions de Troie, ils lâchent pas, hein. Attends, t'es sérieux, là? C'est quand même abusé, hein. Bon, je peux... Je sais qu'on est en légendaire, hein, mais quand même. Vise-le, toi. Vise-lui. Là, il faut que je ramène mes unités de lanciers dans le dos. Hauteur, là, il est très costaud. Vos guerriers se rallient. Là, si on les fait craquer, on pourrait libérer tout ce flanc-là, mais bon. Après, il y a encore Hector, quoi. Ouh. Et hop. Vous avez perdu une unité. Là, ça va, ça craque. Oh, c'est le bordel, il va, tu vois, il va gagner avec une armée plus faible. Là, c'est chaud, quoi. Tout sur Hector, comme ça on sera de peinard. Une de vos unités n'a plus de munitions. Là, on va peut-être abattre l'un des prêtres dans le dos. Putain, c'est horrible, hein. Les prêtres de l'hydre, ouf. Bon, là, les champions, ils vont tenir. Voilà, ça va être... C'est mort, hein. C'est abusé, je baliné facilement, et Hector, il a 8 unités, il te met de la misère, quoi. C'est dégueulasse, même. Attends, on dirait que c'est normal, puisque c'est le mode Mythos. Toi, tu reviens. Hop, c'est trouvé. Mais là, tu peux tirer. Faut arrêter tes conneries, toi. Oh, Hector va peut-être tomber, hein. Le héros ennemi a bon, été blessé. C'est déjà ça de pris. Alors, est-ce que le moral va flancher? J'ai pas l'impression, hein. Oh, le prêtre, il est en train de manger. Là, c'est pareil. On peut essayer un petit espoir, mais j'y crois moyen. Hein. L'ennemi capture votre point de victoire. Là, on essaie de faire en sorte que non. Et ce prêtre qui nous harcèle encore. Oh. C'est abusé. Ouais, non, je peux rien faire. Deux prêtres de l'île, ça vous carry à une game en légendaire, apparemment. Un peu dégueulasse, mais bon, ok. Bon, lui en a liquidé un, tu me diras. Bon, on l'a eu, on a fait tomber Hector, il reviendra plus tard. Bon, ça, il a pas fait tomber la ville, mais bon, il faut qu'on aille régler ce problème, hein. C'est qui? Je pense savoir c'est qui. Ah, c'est encore lui. Momon, est-ce que tu pourrais t'occuper de l'avant-dernier follower il y a 25 minutes, s'il te plaît? Je sais ce que c'est. Hein, mais l'autre, je sais pas si c'est un vrai ou un faux. Alors, le dernier. Ok, donc là il va essayer de reprendre. En plus, c'est une ville d'or, c'est horrible ça. Hippomène est blessé. En plus, on perd notre plastron. Le fun, quoi.
Je vais mettre en marche forcée C dans la ville. Ok. Moment, t'es où toi? On va tenter d'empoisonner son armée comme ça. Putain, les champions de 3, ils ont pas de bonus anti. Ils ont des bonus contre les unités à la hache et le large. Bon. Voilà, ça va les calmer un peu comme ça. Là, faut juste tenir la ville de Torikos, punaise. Faut tout refaire à chaque fois avec eux. On va réparer aussi cette caserne à Thèbes, on avait pris pas mal de dégâts. Et là on va laisser Ajax assiéger tranquillou. Hein. On va attendre 2-3 tours, comme ça Ajax repartira après. Ah, ils ont encore... Pourquoi vous attaquez pas Marathon au lieu de venir m'emmerder moi? Enfin je sais pas, hein, c'est une suggestion. Hein. Bon là on peut rien faire de plus. Bon, déjà économiquement on se porte mieux. Hein. Ah, il y en a un qui va essayer de débarquer. Ah Serint il l'a rasé ce con. Ok. On voit le genre du monsieur. Ah non. Non plus. Il y a de moins en moins de factions sur la carte, c'est drôle ça. Non, on va continuer, on va essayer de faire en sorte qu'on ait moins de pertes possibles, surtout pour l'armée d'Ajax. Terminons-en avec ces foutus pélages à la con. Oh, le lâche. MDR. Il peut encore se régénérer, lui, c'est un truc de dingue. Hein. Lui, je vais le recruter en attendant. Alors 630 ça va, on a de la marge. Alors niveau bouffe c'est bon. Là on va repartir, on peut pas le reconstruire. Donc le bronze on l'a mais le bon on l'a pas. Les pélages veulent la paix mais ce sera non. Ils sont en pacte de non-agression, les Cariens avec... comment ils s'appellent? Avec la Dardanie. Mmh. Peut-être que... Les gars, à un moment, il faudrait peut-être se bouger, hein, je sais pas... À quoi ça sert d'avoir des alliés dans le jeu s'ils foutent rien? Ils peuvent se reformer, hein. Ça c'est horrible. Alors, moi, t'as pris un rond, qu'est-ce que je vais te mettre? Chance de succès, toutes les actions d'espion, c'est toujours utile. Par contre, vous attaquez jamais Marathon, hein, bizarrement, les Indiens. Non, 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 on n'attaque pas Marathon, nous. Donc, au prochain tour, on aura la tech là, et dans 3 tours, ça, ok. Ouais, bon, je veux bien qu'ils soient badass, mais à un moment, faut peut-être pas déconner non plus. On va essayer de finir vite le prêtre. Et là, je pense qu'il faut que je prenne l'initiative d'attaquer. Sinon, ils vont me mettre la sauce. Faut vite zigouiller le prêtre, je pense. On est plus nombreux qu'eux, on va essayer de sortir.
est où leur prêtre là? Ah, il se soigne. Dès à peine arrivé, l'enculé se soigne. Hein. Plus enculé que moi, tu meurs. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Bon, il est en train de mourir, c'est bien. On va essayer de l'achever. Bon, si c'est avec les unités de massier, ça me va à la limite. Le prêtre est quasi mort, ça c'est bien. Vos guerriers se découragent. C'est les guerriers à masse. Vite, vite par là, allez. On va caillasser dans le dos là. Bon, c'est bien les défenseurs de l'hydre là, ça tombe, ça se fait bien tirer, démolir dans le dos, c'est cool. Vos guerriers se rallient. L'archer là, il est en train de se faire tataner la gueule. Ah bah t'es les archers de l'hydre. Non, les champions de 3, les champions de 3, visez. Faites en sorte que les défenseurs de l'île ne se reforment pas, vous venez là. Par contre, ils vont mourir les champions de 3, je veux bien qu'ils soient costauds, mais à un moment, faudrait peut-être pas abuser. La victoire est à portée de main. Caillasser les champions de 3 là. Battez les héros archers là. Ah bah putain. Le héros ennemi a été blessé. Ouf. Allez, rentrez chez vous les Troyens, vous n'avez rien à faire ici. Ah, si je perdais contre ça, la honte quoi. Encore contre avec Hector dans l'armée, j'aurais pu comprendre, mais c'était quand même abusé quoi. Voilà. Allez, on prend le butin. My reputation grows. En vrai, je pourrais peut-être passer dans les territoires pour m'occuper des Amazones, ça pourrait être drôle ça. Constructeur divin, donc on va mettre moins de temps pour bâtir les temples, ça c'est cool. We will claim victory. Consider it done. Alors, est-ce que je recruterai pas deux autres archers en plus? Ouais.
Vous savez quoi, on va renforcer les unités de cette armée avec des unités spectra. On va chercher Karistos, puis peut-être ici, là. Il faut que mes alliés, ils se bougent, parce que bon. On va encore attendre. Non, on va le faire, là. On va finir avec les pélages avec Ajax. On a besoin de l'armée d'Ajax. Et on rase. Malédiction des cités. Si vous apercevez qui arrive, prenez votre famille, tout ce que vous pouvez porter, fuyez, rasez plusieurs colonies. Moins 2 de résistance en tour de pierre cyclopène. Moins 2 au coût de construction de tous les bâtiments principaux dans la région. Les pélages sont un souvenir du passé. Ajax the Great. Just a little longer. On va repartir vers la Farsale pour se... pour soigner, parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, est-ce que ça a augmenté notre nombre de colonies? Ouais, 29. Oh. Que c'est loin. Donc là, on va recruter. Là, on va se soigner. Moment, tu vas laisser d'aller agir un petit peu. Tu vas surveiller cette armée à distance. Oh! Mais je vois que... Oh, lui, il est en train de taper en crête. Il est en train d'essayer d'unifier la crête. Ça va être que ça peut être dangereux, lui. Celui qu'on était en guerre il y a quelques temps. Alors, on va refaire un port ici. Un autre port là. Voilà. Plus de taux de ressources ici. On va se réparer là. On va améliorer de la pierre ici. On va améliorer la pierre au niveau 2. Ça me semble pas mal, tout ça. Et toi, on va te mettre ça aussi. Non, attends. Plus de dégâts de perforation d'armure pour toi, ça peut être un bon bonus. En attendant, je vais juste retirer ta présence. Pour le moment, c'est pas utile. Je vais attendre que lui, il revienne. Hippomène, il nous avait bien aidé. Hein. Bon, là, la situation s'arrange. Hein. Enfin, entre guillemets. Mais bon, à mon avis, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se concentrer sur la crête. On va essayer de battre les autres Gugus, déjà. Ah, il a tenté un truc. Ah, il y a encore une armée, mais c'est pas possible, ça. On va essayer de les dégager de Grèce, là. Il faudrait qu'ils arrêtent de faire une tête de pont. Les Cariens veulent la paix. Ça m'arrange. J'ai rien à voir avec ces gens-là pour le moment. Mais je vais rien te faire, Trezen. Oh. C'est un ancien vassal d'Agamemnon. Je vais pas le taper. Oh là là, il y a encore. Mais elles sortent d'où toutes ces armées là de Zgus là? I will not be easily. Il a 8 colonies, ouais, je sais. Déjà, on va faire en sorte qu'Ajax, il pourra rentrer. Ah, il pourra jamais venir à la Farsale complètement. Bon, on va le faire courir, on va le faire tracer comme ça. On va essayer de le refaire descendre comme ça, rendre les villes au fur et à mesure et taper ce qui bouge, quoi. Hop, plus de bouffe ici. Bon, je suppose qu'il n'y a personne d'autre qui veut la paix par hasard. Donc eux c'est mort, eux c'est mort. Il a combien de villes dans le coin lui? Il en a une, il en a deux. Ouais, t'es une légende, mais pour pas faire grand chose plutôt. Toi tu viens là et toi. Voilà. Je vais essayer de rendre ces villes aux alliés parce que bon. Il y a une armée de cochons là. Hein.
Après cette série sur Trush, je sais pas sur quel jeu je vais partir. Je crois pas que je vais renseigner tout de suite sur les nouvelles campagnes avec Trush. Je vais faire une série de break entre guillemets. Après Warhammer 3 est toujours pas annoncé pour le moment officiellement, donc au niveau des dates. Donc on va peut-être aller sur un autre jeu, on verra. Oh, t'as abusé un peu, Agapenor, là. Un tout petit peu. Ok. On a terminé la technologie, donc on va partir sur quoi maintenant? Bon, l'or, on en a pas beaucoup, tu me diras. Ils ont encore tapé à Chalkis, quoi, sérieux. J'essaie de me soigner si c'est possible. Epic Warrior. Voilà, paf, comme ça déjà c'est fait. Alors, à Oponte, on va améliorer quoi? Le bois. Et l'influence ici. Ils vont attaquer par là, tu vas voir. Ils peuvent en plus. J'essaie de pas trop traîner, mais je pense qu'il va... Si je fais ça, lui, il va se décaler, il va m'attaquer. Je le vois arriver comme ça. Donc Ajax, il va essayer de reprendre ses villes. Nous, on va essayer de faire du plus de dégâts possible. À moins qu'il reconnaisse Chalkis d'abord. Qui pourrait être une théorie. Il va attaquer comme ça. Et l'autre, je sais pas. Il nous faut plus d'armées. Hein. Ça, c'est obligatoire. On en a que deux. Il nous en faudra au moins 3-4. Je m'en doutais. Oh, je vais pas la faire. Hein. Ils sont trop forts là. Ils ont perdu 128 soldats dans l'affaire. Et là, ils se replient tellement qu'ils ont peur. Ouais, ils ont dû fusionner leurs armées entre eux. Bon, va pour un accès militaire, même si t'es pas. C'est pas la priorité, mais bon. Bon, aussi, voilà un accès militaire. On va éviter des guerres inutiles, on va accepter. Bon, ça fait un peu faiblard, mais pas le choix. J'ai pas envie de me retrouver avec 100 000 guerres sur le dos, sachant que j'ai les Troyens à gérer. C'est des clients assez costauds, pour ceux qui connaissent pas les Troyens. Tiens, je vais boire ma bière, tiens, j'ai toujours pas bu. Donc, je le rappelle, tout avec modération, hein, santé. Une petite hécatombe pour monsieur Phaistos. Par contre, pour attaquer mes alliés, il n'y a personne. Hein. Il y avait une ville alliée, ils l'ont pas attaqué. Bon. Bon, regarde, on va être pleinement refait bientôt. Ça, c'est très bien. T'es bon. On peut rien faire de plus. Là, on peut rien faire de plus. Au prochain tour, on aura pas mal de ressources. Ici, il faudra refaire ce bâtiment-là pour gagner un peu d'or en plus. Bon, sinon, les gars, pour si le prochain plus historique, qu'est-ce que vous voudriez, perso? En niveau total, voir un cheval. Victory beckons.
Donc deux lancers de plus. Et un troisième escarmoucheur ici. Alors Momon, t'es où toi? On va empoisonner cette armée. Voilà, c'est bien. Et là, Ajax va revenir, ça va calmer, on va en calmer certains. Momon, Abatni, Pasta, Colton, 96. Ah bah... Ah ouais. Et normalement, Momon, est-ce que tu pourrais bannir aussi celui d'avant, s'il te plaît, par sécurité? Ouais, je vois que toi, t'as les droits fonctionnent, ok. Je pensais qu'il y avait un paramétrage spécifique à faire, mais non. Bon, c'est cool. Bah merci, Momon. Bah tiens. À chaque fois que ça arrive, tout le monde se casse. Tiens donc. Ouais, je sais, mon. Mais apparemment, les pseudos là, ils font partie d'une vague de harcèlement. Tout ce qui est os et tout, faut faire gaffe. Je crois que c'est CG qui a eu le tour hier, de ce que j'avais entendu. Alors, je vais mettre qui maintenant? On a de l'infanterie légère, on va augmenter notre infanterie légère. Truest friend, deadliest enemy. Bon, bah on va aller faire un petit tour à Serinth. On va se soigner au pire à Serinth. Ouais, c'est eux. Faut faire gaffe, quoi, tu vois. On va juste en envoyer deux. Les archers. Comment ils peuvent se soigner? J'ai pas compris. Bon, le toutou, là, tu viens. Il y a du taf, là. On va dire éviter de dire à nos chalignes de tirer. En plus, je crois que ça fait des dégâts au moral, ça, non? Oh, on pourrait faire un gros bull là si j'en ai Cerber. Voilà, déjà là. Visez par là, vous. Le toutou là, il fait le boulot. Ah, totalement non, c'est vrai que. Pourquoi pas, Momon, effectivement. C'est vrai qu'on a très peu exploré le pan de l'Inde et du continent asiatique. En Asie générale, ça pourrait être intéressant, je pense. Oh là là. Alors, je te lance un caillou sur la gueule. Oh, Ajax, faut apprendre à viser, mon vieux. Ouf. C'est le Cerbère qui s'en bat la couenne.
Ouais, j'ai bien fait de. Je vais rendre la. Je vais juste me soigner ce tour-ci, après je rends la ville. Voilà, en attendant, c'est good ici. Donc on est allié militaire avec Eretri. Ah, ils ont pris Caristos, bien joué. Bon, on va coloniser Chalkis avec cette armée. Voilà. Voilà, bon, on va perdre un peu en puissance. Oh, j'ai peut-être pas fait le bon move là. Bon, tant pis. Par contre, Momon, là, on va y tenter d'affaiblir cette armée. Ah, ils ont beaucoup d'unités. Je les avais pas. Je pensais que c'était complètement parti eux, mais pas du tout. Et il y a un peu ce moment de tutrade. Bon, tant pis. De toute façon, il faudra refaire des forces, hein. Ça c'est obligatoire. Je vais repréparer une armée ici, Hippomène, tiens. Donc je vais repartir sur 4 infanteries de Salamine. Enfin 6. Et quelques lanciers déjà pour les prochains tours. Ce sera déjà un point de départ. Une carrière de pierre. Là, on va être bien avec l'infanterie légère qui aura plus de dégâts. Le médiéval 2 comme Rome 2, une grande campagne et plusieurs autres sont différentes. Ah, ça pourrait être cool. Ouais. Par contre, pourquoi t'as pas attaqué eux là? Tu pouvais te les faire avec ton armure. T'avais pas envie en fait. Oui, c'est ça que je reproche à l'IA des fois tout à l'heure. Il y a un ennemi, ils y vont pas. Là, ils vont, je suis sûr qu'ils vont me tomber dessus à Chalkis. Hein. Je vous parie tout ce que vous voulez. Ah non. Il passe pas, il attaque pas, c'est étonnant ça. Qu'est-ce que tu mijotes toi? Ok, ça dévalise. Bon, tu te rates, mais tu prends un niveau. On va dire que c'est bien. Je vais te mettre pisteur aussi, tiens. Je vais me mettre là en position d'embuscade, on sait jamais. On va voir comment on va réagir l'IA ici. Je continue de me soigner. Plus de bouffe. Donc là l'armée va se refaire, c'est cool. Et au prochain tour on fera ça dès qu'on aura assez de bois. Le grand atelier des Phaistos, ça va nous bien nous aider. Oh non, il y a encore Serpédon qui revient, mais. Mais non, mais arrêtez là. Ça suffit. Bon, déjà, on va recruter lui. Il y a personne qui peut s'occuper de Sarpedon, sérieux. Alors, toi. Le retour de papier, ouais. Non mais ça c'est un problème quoi, je suis désolé. T'as un allié qui. T'as un ennemi qui passe à côté d'un de tes alliés, tu dois aller le taper, puis c'est tout. C'est. Faut être cohérent. Défaite honorable, ouais.
Bah vous savez quoi, on va se laisser là, donc ça va être encore une nouvelle défense à Torikos pour la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu les amis, prenez soin de vous, ciao ciao.